Début du IVe siècle, les Romains occupent le terrain et ils veulent imposer leur discipline religieuse, le culte des idoles et le culte de l'empereur, le paganisme. Et ils n'aiment pas du tout les chrétiens, on accuse les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome, etc. Mais voilà, une fille de 12-13 ans, qui s'appelle Foy, F-O-Y, fidèle son latin, elle veut lui se foire plus que vous, elle sait que c'est interdit, mais elle est brave et vaillante, elle continue de se retrouver avec ses amis, de chanter des cantiques, etc. Tête de file, elle se fait arrêter, emprisonnée, et elle va être jugée. Alors le juge prend place, il va l'interroger, mais il n'a pas envie quand même d'en venir à une situation dramatique. Le juge quand même voudrait lui proposer, pour avoir la vie sauve, voulez-vous bien faire semblant seulement d'adorer les idoles? Colombe passe, premier miracle lié au martyr de Sainte. Alors, ceux qui sont là chrétiens secrètement, ils disent ouf, elle va être sauvée, le feu vient de s'éteindre. Le juge devient furieux, qu'est-ce qu'elle fait qu'acquitter elle et les autres, car l'on est les jeunes ont été massacrés, les corps ont été portés en dehors de la ville, et les chrétiens qui étaient là surveillent la scène, vont rechercher les corps dans les marécages pour leur donner des sépultures chrétiennes. Et dès lors, octobre 303, ces jeunes martyrs sont considérés comme les saints et les saints. Toujours dans la ville de, il y aura une communauté de religieux. Et les moines vont exhumer les corps de ces martyrs pour garder précieusement les ossements, les reliques. On a lieu de pèlerinage là-bas à Agen. Plus tard ici même à une communauté va commencer. Et les moines de Combes désirent faire la même chose. Un grand lieu de pèlerinage, cheveux en l'air, une masque à la main, bouscule à la gueule d'un gros animal qui est là. Le Léviathan, ce monstre marin, nous voit les deux pieds de celui qui passe à la trappe. De l'autre côté, la porte franchie. C'est le chevalier orgueilleux, avec cotte de maille très fine que rien ne pourra transpercer, une fourche lui arrive dans le dos. Et à côté, ce pauvre cheval, qui, à coup sûr, n'a rien fait de mal. Puis un couple d'infidèles s'est avancé dans des liaisons, pas très catholiques. On voit les corps qui leur arrivent jusqu'au cou. Satan essaie de trôner en enfer, alors il est là, cheveux en l'air, le regard profond, c'est le fait qu'il a. Satan se chauffe les pieds sur un mec qui craint. Un barbu allongé à ses pieds, avec un crapaud à côté. On dit que c'est le paresseux pour qui ne rien faire sur la terre aboutit à servir de bois mort en enfer. Mais du vivant à tout. À côté de Satan, un diable tire sur une corde et une poulie pour que soit étouffée l'avare très près de sa souffle, et à sa propre course va l'étouffer pendant qu'un serpent lui pique les volets. Ça me passe. On avance à droite et on descend dans les flammes de l'enfer. Alors là, attention mesdames et messieurs, on arrache la langue à ceux qui parlent trop. Disent des bêtises. Ça peut encore aller. Mais les mensonges, les calomnies, les médisances, tout le mal qu'on peut dire sur les autres, le mal qu'on pourrait dire sur Dieu, c'est la peine, ça sera puni. Autrement dit, la langue trop précieuse pour parler va un jour se retourner contre nous et se trouver arrachée. La langue peut aussi nous conduire à la gourmandise. On voit complètement à droite le glouton bien maintenant. Plongé dans une marmite. Nous montons dessus. Alors là, il y a un triangle un peu amusant. Complètement à droite, un lapin. Un lapin oreille en l'air, un regard bizarre, les ailes d'ange, s'il vous plaît. Et ce lapin s'est entendu avec un diable, fixé sur un manche, le braconnier. Le chasseur qui a chassé le jour qu'il ne faut pas, sur les terres qu'il ne faut pas. Et tant de lapins ont été victimes innocentes. Alors là, il y en a un qui organise sa revanche et prépare un méchoui spécial. Et comme il y a ce soir ici quelqu'un du CMR qui aime chanter, alors vous connaissez sans doute, vous allez deviner, mais vous comprenez deux fois le refrain.